Bonjour. Alors, dans ce TD, on va voir trois exercices qui appliquent la formule de Weyl en mécanique quantique. C'est une formule qui permet d'estimer la densité d'état, autrement dit la position des niveaux d'énergie et leur densité, et de compter ainsi le nombre d'états quantiques qu'on appelle micro-états. Une application importante et simple sera à la fin de considérer plusieurs particules libres quantiques, autrement dit des ondes quantiques, dans un volume donné, dans une enceinte. Et ce sera un modèle très simple qu'on appelle le modèle du gaz parfait. Et on trouvera ainsi l'équation d'état du gaz parfait qui est connue en thermodynamique. On commence tout d'abord par énoncer cette fameuse formule de Weyl et aussi on va l'appliquer dans un cas très simple qui est le modèle de l'oscillateur harmonique quantique, afin de bien comprendre le mécanisme. Voilà, la formule de Weyl, vous pouvez cliquer ici pour avoir des informations sur Wikipédia. Et on s'aperçoit que c'est une formule qui est citée, bon, qui est appliquée à la mécanique quantique, mais qui vient de la géométrie spectrale, autrement dit des mathématiques. Mais elle est connue en physique sous le nom de formule de comptage des états quantiques. En cliquant ici, vous aurez accès à un cours de mécanique quantique qui explique cette formule, qui la démontre à peu près, disons dans le cadre de la physique, et qui montre beaucoup d'applications. Alors voici ce que dit la formule. Si vous avez un système quantique qui est défini par un opérateur hamiltonien H chapeau, et ce opérateur hamiltonien est construit ou défini à partir d'un hamiltonien classique H de QP. Donc c'est une fonction énergie qui dépend de la position et de variable d'impulsion à des degrés de liberté. Autrement dit, les variables de position Q, il y en a Q1, Q2, Q3, etc. jusqu'à Q petit d, et on appelle petit d le nombre de degrés de liberté. Et pareil pour les variables d'impulsion. Mais le hamiltonien quantique H chapeau dépend donc de l'expression du hamiltonien classique, mais aussi de la variable de Planck H bar. Et cet opérateur hamiltonien quantique possède des valeurs propres qu'on appelle les niveaux d'énergie, E1, E2, etc., qui sont dessinés ici, E1, E2, E3, ce sont les niveaux d'énergie de l'opérateur hamiltonien quantique. Et avec la formule de Weyl, on souhaite estimer le nombre de niveaux qu'il y a, le nombre de niveaux discrets qu'il y a sous une certaine valeur E donnée. Et on appelle ça N de E. Donc sur ce schéma, on se fixe une valeur de E quelconque, ici, un seuil, et on regarde le nombre petit n de niveaux d'énergie qu'il y a sous cette valeur de E. Alors clairement, lorsque E augmente, petit n va augmenter. Et on a une fonction croissante petit n de E. Et on cherche à estimer cette fonction. Alors, dans des cas simples, on pourrait calculer les valeurs propres de l'opérateur et trouver donc petit n de e comme ça. Mais il faut savoir que calculer les valeurs propres d'un opérateur, en général, c'est impossible. Et la formule de Weyl permet de contourner cette difficulté en donnant non pas une formule exacte pour petit n de e, mais une formule approchée. Un terme dominant plus un terme correctif qui, dans certains cas, est négligeable. Alors, disons tout de suite que le terme correctif sera négligeable. Vous voyez, il est négligeable devant h bar puissance moins d, et là, le terme principal est justement en h bar puissance moins d. Et donc, il sera négligeable dans le cas où h bar est petit, en fait petit devant les grandeurs physiques du problème. Donc, c'est lorsque, par exemple, on a affaire à une onde piégée dans un volume ou dans un système quantique, et que les longueurs d'onde sont très petites devant ce système. Voilà, et dans le terme de droite de la formule de Weyl, il apparaît ici, donc on considère tous les points de l'espace de phase, tous les points QP dont l'énergie H de QP est inférieure à cette valeur E donnée, donc sur ce schéma par exemple, c'est l'espace de phase, et tous les points comme celui-ci d'énergie plus petite que E, on les a symbolisés par cet ensemble bleu. Et donc on regarde cet ensemble et on mesure son volume. Le volume
dans l'espace de phase, et on compare ce volume au volume élémentaire qu'on appelle un quanta, c'est symbolisé ici en rouge, c'est 2 pi h bar puissance d. Et autrement dit, on regarde combien il y a de quanta contenus dans ce volume classique. Ça donnera un nombre, et bien ce nombre, c'est une bonne approximation du nombre petit n de niveau d'énergie que l'on recherche. Voici la formule de Weyl. Voilà, donc en termes plus simples, cette formule dit qu'un état quantique occupe le volume élémentaire de pi h bar puissance d dans l'espace des phases. Et donc pour connaître le nombre d'états quantiques, il suffit de compter combien on peut mettre de quanta différents dans une zone donnée. Et on verra que cette formule est donc extrêmement pratique parce qu'elle permet de connaître n en fonction de E par une certaine expression qu'on trouve selon la situation. Et on peut inverser le résultat et obtenir E en fonction de n. E en fonction de n, ça donne donc la position des niveaux d'énergie. Vous voyez, E3, E4, etc. Mais on peut aussi, en ayant obtenu la fonction n de E, eh bien la dériver et obtenir ce qu'on appelle la densité d'état, ce qui est le nombre de niveaux dans un intervalle d'énergie donné. Et à partir de la densité d'état, on peut déduire l'entropie tout simplement en prenant le logarithme de cette densité d'état et en multipliant par la constante de normalisation K qui est la constante de Boltzmann. Alors on rappelle pourquoi l'entropie est définie comme ça, tout simplement parce que si vous savez que votre système se trouve autour d'une énergie donnée E et qu'ici il y a un grand nombre de niveaux quantiques possibles qu'on appelle dn, autrement dit dans un intervalle dE vous aurez un nombre dn de niveaux et ce sera représenté par cette densité d'état, et bien l'idée en physique statistique c'est que à cause de la méconnaissance qu'on a du système, on ne sait pas exactement dans quel niveau d'énergie le système est. Et comme on ne le sait pas, a priori on met la mesure de probabilité uniforme sur tous ces états-là. Et on a vu au TD précédent que l'entropie, lorsqu'on a une loi de probabilité uniforme sur un grand nombre d'états, eh bien l'entropie c'est le log du nombre d'états. Donc ici ce sera le log de la densité. Voilà, et donc dans la suite de ce TD, on applique cette formule. Tout d'abord un exemple simple qui est l'oscillateur harmonique quantique. Ensuite, pour toujours comme exercice à une particule seule dans une boîte, dans une enceinte, pour trouver justement les niveaux d'énergie et comparer au niveau d'énergie pour l'oscillateur harmonique qu'on connaît par le calcul exact des valeurs propres, ou dans le cas d'une particule libre à une dimension qu'on connaît exactement, et on verra que ça donne des résultats extrêmement bons. Et finalement, on va l'appliquer à une situation où on ne peut pas faire de calcul exact, qui sont plusieurs particules dans une enceinte, et ça permettra de calculer, par cet argument-ci, l'entropie d'un gaz parfait. Et à partir de l'entropie, on pourra dériver, par des formules générales, eh bien, la pression, la température et le potentiel chimique du gaz parfait, et obtenir l'équation d'état du gaz parfait.